Tu me casses les couilles, Azelma, avec ton épreuve de merde, là. Je ne sais pas où je vais. Pas ça, là. Et voilà des petites herbes de merde, là. Le gros champi vous attaque sauvagement, quoi? Hey, t'es pas un champignon, toi. T'es un cheval. Un poney? Un âne? Ah. Salut à tous, c'est Philong. Yo, les trashers, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. On est enfin de retour sur Pokémon YouTube, évidemment, le let's play irrespectueux où tout se passe mal avec une magnifique équipe, évidemment, composée de Pokémon tout à fait legit. Nous avons évidemment Floette Boom Final, hein, Floette AZ, hein, le Pokémon le plus rare du jeu. Nous avons Shuriken avec notre cher Petrushka qui est un Karatroc. Coccinus, le Shaymin, Gravité, Intimidation, tout à fait logique. Boubacar, évidemment, ça va Boubacar, j'espère que tu vas bien. Et ouais mec, je suis de retour, ma voix a encore changé à TKT. Scout de France, qui était un pauvre petit insecte et qui est devenu un archéodon, hein, me demandez pas pourquoi. Je pèse dans le game tel un archéodon. Et enfin, l'immonde, John Boubacar, la star... enfin, normalement, la star du Let's Play qui est supposée évoluer en Scorvol, mais qui n'évolue pas en Scorvol. En tout cas, j'espère que vous êtes contents du retour. Et la dernière fois, on avait fait l'épreuve du feu. Et nous allons donc faire l'épreuve pas du feu. C'est-à-dire l'épreuve de je sais pas quoi, parce que je m'en rappelle plus trop où j'en suis dans le jeu. Mais tout va bien. Et je crois qu'ici, nous allons entrer... dans un endroit... Bonjour! Un dresseur qui a un Pokédex, bonjour! Un petit boulot anonyme pour la fidation Full Androphy. J'ai du travail jusqu'à l'an prochain. Dommage! Ah! Bien fait pour toi, nique ta mère. Oui. Wesh gros! Wesh gros! Oh mon dieu, ça y est, les bugs reviennent! Pardonne mon impolitesse, mon nom est Ico. Bonjour, tu n'es pas trop dans le cadre. Je mets des recherches sur les sujets suivants. Comment les Pokémon russes s'abreuvent-ils? En résumé, j'essaie d'identifier ce qui fait qu'un Pokémon russe vote Poutine et voit trop. Oh mon dieu, il est sur le côté! Je suis persuadé que la clé réside dans le lien qu'il entretient avec sa bouteille. Ça, c'est pas faux. Oh! Oh, est-ce qu'on va le voir? À ce titre, un type de dresseur me fascine tout particulièrement. Non, non, on le verra pas, hein. Ceux qui, comme toi, jouent en stratégie, je t'admire, tu sais. Tu... Quoi, tu es un peu proche de moi? Je ne t'ai pas encore demandé comment tu t'appelles. Fifou, je t'achèterai. Qu'est-ce que tu fais? Il se penche sur moi? Il est en train de... Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa main? Sauvez-moi, s'il vous plaît. C'est extrêmement déstabilisant. Accepte donc cette CT. Il vient de traverser mon corps, tout va bien. Nitro charge. Ah oui, cette animation buggée est vraiment super tendancieuse. Ah oui, oui. Tu pourras mettre un titre putaclic, Ico X Fidrog explication. Peut-être. La force Z. Serait-ce ça la puissance que je convoite? Plus puissante encore que la Meyaga évolution. Meyaga Raikaza tout shiny. Là, il y a un dresseur. Dresseur détecté. Allons-y. Natacha, la dresseuse. Toujours aimé ce nom, Natacha. Lagron! Méga Lagron! C'est jamais Méga Lagron! Tout va bien. Lagron qui n'est pas le meilleur Pokémon du jeu. Car il y a Scorvol. Ah oui, d'accord! Il a Lande Pangène! Ok, d'accord. Ce Lagron est le meilleur Pokémon du jeu. D'accord. On va vraiment s'amuser. Il a les restes. Il a Turbo! Alors, bon, je dispose de Coccinus, Intimidation, ça devrait passer. Quoique, je suis niveau 22 seulement, hein. Je suis un peu bas niveau. Hein. Mais bon, allez, feuillage. Il a giclé d'eau. Non, mais moi, vous savez, je pense que voilà, en plus, il met... Alors, il m'a mis deux coups critiques, hein. Je sais pas si c'est classique... Non mais tout va bien.
Moi, je pense vraiment que l'Agron Turbo avec les restes, c'est quelque chose de très... Il a déflagration! C'est quoi ce l'Agron de l'angoisse? Oh là là, en plus, c'est une double faiblesse. Hein. Eh ben... Oui, il continue à te booster. En plus, il a les restes. C'est un peu chiant. Mais on a Boubacar, on devrait pouvoir passer. Il tente la lame angèle. Heureusement, heureusement, le dresseur est con, hein, parce que... Ah, mais ça tue quand même. Malgré l'intimidation, ça tue. Boubacar avec sabotage. Si on arrive à tanker et à saboter son... Je pense... Si on sabote... On va saboter ses restes. Allez, la lame pangéenne, je la tiens. Le Boubacar est bulky. Il est intimidé quand même, hein, faut le rappeler. Tout va bien. Allez, sabotage. Voilà. Ouais, il met le turbo. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est à plus 1000 en vitesse environ. Oui, les dégâts de vive attaque sont incroyables. Putain de ta mère. Mais putain de la gronde merde. Bon. Bon, j'ai marteau bois. Mais sauf que c'est un Karatroc, donc... Karatroc marteau bois hein, est connu dans le milieu. Hein. Allez, la déflag, on l'attend. Oui, on a Karatroc. On a un Karatroc. Regardez ça. Allez, le marteau bois de Petrushka ne pleure pas. Et voilà. Oh, bah dis donc. C'est un boss de raid ce truc. Hein. A few moments later. Bon, j'espère qu'il a pas un Pokémon abusé parce que sinon ça va être compliqué. Il me reste plus beaucoup de Pokémon. Non, mais c'est très bien ce jeu! Désolé, nous sommes complets. En fait, nous avons. Une seule chambre. Donc en gros, t'as un motel, quand même. La recette pour faire faillite. Tu chopes un motel, tu fermes les portes. Là, là, regarde, ça c'est une porte fermée, ça c'est une porte fermée. Et tu mets une seule, je dis bien une seule chambre, que tu loues pendant 6 mois à un mec qui a pas d'argent, qui s'appelle Silver. Et voilà. Et la recette du succès, hein. Hors de ma vue. Là, c'est la plage avec les sauces qui poussent de bite, là. Oh, je l'ai... Comment je l'ai chopé? C'est la première fois que je chope un sauve qui pou. Et c'est même pas un sauve qui pou, c'est un débugant. Parfait. Bonjour. Mais oui, c'est Azelma. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Azelma qui nous manque beaucoup. Bienvenue dans la jungle sombrefeuille pour mon épreuve. Dès qu'on te voit, toi et tes Pokémon, vous allez bien ensemble comme un plat bien équilibré. Faut prendre la... Tu sens le souffle puissant de la jungle. Elle me dit à quelle sauce tu vas être mangé. Ah bah dis donc. C'est pas très gentil Azelma ça. C'est ça, je vais te sortir ma spécialité, le Azelmagou. 4 ingrédients, une baie mago, un petit champi, une herbe rappel et une graine miracle. Bref. Bon, y a pas un truc, un objet là. Oh là là. Oui. Mais voilà. Super. Je savais qu'il y avait quelque chose ici. Bonjour. Que l'une baie. Plus la baby scornue. Oui, j'ai encore 3 ingrédients. Tu peux arrêter de me suivre. Tu me casses les couilles, Azelma, avec ton épreuve de merde là. Je ne sais pas où je vais. Putain d'épreuve de merde. Oh, poudre soin. Mais j'en avais pas besoin. Mais je trouve plein d'objets nuls. Bah ça va. Et voilà des petites herbes de merde là. Le gros champi vous attaque sauvagement. Quoi? Hey, t'es pas un champignon toi. T'es un cheval. Un poney. Un âne. Ah. Bonjour. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Y'a plus qu'à. Désolé pour l'attente. Comment vas-tu Azelma? Oh, c'est sorcier et framboisette. Qui vont Vous ne faites pas face au bon endroit. Voici une vodka et une calache. Ça tira ou bien? Ah oui, d'accord. L'heure est venue de se retrouver les manches. Retrousser. Allez, on a tout. On veut faire un Azelmagou. Oui, je suis prêt. Waouh! Et on pile à nouveau. Mais tu piles avec quoi, là?
Tout est dans le coup de poignet. Mais comment ça, tout est dans le coup de poignet? T'es comme ça, là? Ah, mais c'est moi qui pile. Ah, mais d'accord, merde. Faut que j'appuie sur... Ah oui, j'appuie sur A. Je comprends plus. Oh, oh. Une odeur particulière. Regarde derrière toi, Fildrong. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Flora Mantis. Alors, moi, j'ai un pressentiment que ce sera pas un Flora Mantis. Un Munja dominant qui augmente sa vitesse. Oh mon dieu. Allez, Boubacar, tu peux le faire. Ah, il a un PV, Munja. Facile. Allez, sabotage. Il pose des pièges de roc. Bien sûr. Allez, au revoir. T'as un PV, hein. Ah non, putain! Non, c'est un Munja fermeté, mouchoir choix, donc il était bloqué. Attends, merde. Il a fermeté. Mais attends, mais j'ai pas d'a... Est-ce que j'ai une attaque de statue? Attendez. Si j'ai pas d'attaque de statue, j'ai perdu, ça veut dire. Ah si, c'est bon, j'ai tourbissable. J'ai juste à mettre un tour de tourbissable et on est bon. Allez, les pièges de roc. Allez, j'intimide les deux Pokémon, c'est pas mal. Demi-tour. Ça va faire très très mal. Oh putain, et point boost. Saloperie. Alors, j'ai besoin d'un tour. Donc, on va laisser mourir, mettons... Tiens, on va mettre John Boubacar, 3 secondes. Je vais soigner le Pokémon et ensuite, ça va passer. Allez, point boost. Putain. Il faut que je tue le Krabagar. Mais d'abord, il faut que je me soigne. Tu peux le faire, Coccinus. Ah ouais, mais il est niveau 23 seulement. Hein. Oh là là, ça va faire très mal. Ah non, c'est mort. Putain. Merde, Pokémon de ta mère, la chienne. Tout va bien. Bon, alors, on va faire ça bien. On va sport le Munja. Ok, sport. Voilà, j'endors ce Pokémon. Tout va bien. Il peut pas appeler à l'aide s'il est endormi. On est d'accord. Ok. De toute manière, il est trop boosté, là, son Krabagar de merde. Donc, on va le tuer. Allez, Vampy Baiser. Peut-être qu'il peut pas appeler à l'aide s'il dort. Hein. Je ne sais pas, on va voir. Allez, tout va bien. On a un moyen de le tuer, il faut juste deux tours. Allez, Vampy Baiser. Hop. Bon, toi t'es mort, c'est bon, ça c'est bien. Très très bien. Concentrons-nous. C'est faisable. On est juste un peu bas au niveau, mais c'est faisable. Donc, rappel. Rappel sur Coccinus. Tac. C'est mathématique, ça va passer. En plus, il peut pas appeler à l'aide tant qu'il dort. Ça, c'est bien. Super potion. Ne vous en faites pas. Allez, Coccinus est à nouveau en vie. Il dort profondément. On va attendre qu'il se réveille pour le resporer. Donc là, c'est sûr qu'il se réveille au tour suivant. Donc on va le rendormir. Là, il se réveille. Voilà, il se réveille. Ombre portée. Fildrong, stratège. Coup critique. Ah non, même pas, putain. Les dégâts. Allez, voilà. Sport. Allez, voilà. Il est obligé de dormir. Il suffit qu'il dorme un tour. Et on est bon. Allez. En plus, je vais l'intimider à nouveau avec Shaymin, donc c'est bien. Allez, Pokémon. Regardez, on met Shaymin. Tout va bien. Et là, on va l'avoir. Et il me faut vraiment toxique sur un de mes Pokémon, quand même. Hein, parce que... Allez, intimidation. Voilà, il dort, super. Il peut pas me tuer à moins d'un crit. Et moi, je tourbissable et je le tue à la fin du tour. Tourbissable, c'est parti. Allez, ne rate pas ton tourbissable. Il dort. Allez. Allez, le Munja fermeté. Allez, au revoir. Oh bah oui, t'es piégé par le tourbissable. Et voilà, on me la fait pas à moi. Munja fermeté. Dans ton cul. Merci Shaymin. Qui me sauve la vie. Incroyable. Un Z-move que je ne pourrai jamais utiliser. Parce que sinon ça fait planter le jeu. Et c'est là-dessus, je crois, que nous allons nous arrêter notre épisode aujourd'hui.
Parce que je crois que j'ai plus ou moins fini la zone. Là, il y a une éventuelle Pokéball. Sauf que, bon, j'ai sauté. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi le retour de Pokémon YubiTube. J'espère que ça vous a plu. Votez pour le défi de la semaine prochaine qui sera dans la description. Et puis, bah, je vous fais des tonnes de bisous. Et puis, voilà, abonnez-vous à Pokémon Trash. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine, je vous dis à plus.